Bonjour, bienvenue à Limoges. On m'a toujours dit que la gare de Limoges était l'une des plus belles du monde. C'est ce que disent les Américains, la plus belle du monde. C'est un bâtiment vraiment unique, qui est à la frontière entre l'art nouveau et l'art déco, construite dans les années 20. Alors vous verrez qu'à Limoges, on est dans une ville d'art et d'histoire. En tout cas, elle en a le label. Et je crois qu'elle le mérite, parce qu'il suffit de se balader dans les rues de la ville pour remonter le cours de l'histoire, 2000 ans d'histoire, jusqu'à des vestiges romains. Et ici, le patrimoine n'est pas que bâti, il est aussi et beaucoup artisanal, avec évidemment la porcelaine de Limoges. Et d'ailleurs, on va visiter l'une des plus anciennes manufactures, l'une des plus prestigieuses au monde, et surtout l'une des dernières à ne pas avoir été délocalisée, bravo. Mais la porcelaine, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'au-delà de ce symbole prestigieux, il y a aussi beaucoup d'autres métiers d'art et d'artisanat, notamment le travail des vitraux, le travail de la ganterie traditionnelle, l'art du papier, on va découvrir tout ça ensemble. Et côté table, c'est un peu pareil. On connaît tous le célèbre veau élevé sous la mer du Limousin. Alors on va cuisiner la tête, évidemment. Mais derrière ça, il y a aussi le porc noir que vous connaissez peut-être un peu moins et qui pourtant est l'un des plus savoureux, l'un des plus persillés. Et en matière de dessert, il n'y en a pas que pour le clafoutis, il y a aussi des massepains. Bref, une émission qui nous réserve quelques surprises. À nous Limoges! On a rendez-vous avec un personnage incontournable de Limoges, l'un des plus célèbres maîtres tripiers, puisqu'on est dans la capitale de la tripe. Il y a même une fête de la tripe chaque année avec des processions où tout le monde célèbre ses traditions gastronomiques. Il s'appelle Jean-Marie, il est à la retraite aujourd'hui, depuis peu, mais il a œuvré pendant 40 ans comme maître tripier. Et s'il en est un qui pouvait nous cuisiner la tête de veau à la Limousine, c'est bien Jean-Marie Bessette. Les halles centrales, classées aux monuments historiques depuis 1976, ne sont pas sans rappeler le style Eiffel, avec leur charpente métallique de la fin du 19e siècle. Leur corniche, ornée de panneaux de porcelaine, évoque les activités commerciales d'antan. À l'intérieur, c'est le temple de la convivialité, autour de différents stands, bancs et restaurants qui attirent les travailleurs du quartier. Ma flânerie me mène notamment vers la boulangerie, de laquelle je repars avec une spécialité d'ici, le galetou. Donc la galette de sarrasin, elle est traditionnelle de Haute-Vienne, enfin du Limousin. Tout à fait. En fait, ça remonte à des années où on avait toujours ça dans le placard. Eh oui, c'était la farine du pauvre. Et pour, hein. Voilà, tout à fait. Et quand on n'avait rien à manger, pas de pain, on faisait ça. Et le fait de le faire cuire sur les poêles en fonte, la rend tendre. D'accord, elle est facile à rouler et on peut la garnir. Fait. Et pour vous, la garnissez traditionnellement avec quoi alors? Alors nous, on les fait avec de la rillette d'oie, grillon. Grillon qui est vraiment une spécialité d'ici. Alors à la rillette, allez, soit. Ça va aller mieux après ça. Alors ça se mange froid du coup, cette galette? Ça se mange froid. Ouh, ça a l'air magnifique. C'est un peu le sandwich de la Haute-Vienne. C'est ça. Ouais. Et bravo pour maintenir cette tradition bien vivace. Bah, on fait tout ce qu'on peut. Mais oui, pourvu que ça dure, grâce à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Ah, c'est pas mal. La crêpe de sarrasin aux rillettes, je n'aurais pas pensé. Bon, passons à la tête de veau. Ah,
ça, c'est la patrie de la barbaque, hein. Y a pas à dire. Ah, le voilà. Oh là là, quel beau panier. Bonjour, bonjour Jean-Marie. C'est magnifique. Il n'y a pas que du veau dans la tête de veau, il y a aussi des légumes. Exactement. Alors, vous m'emmenez peut-être chez vous, et puis j'aimerais bien passer par la fameuse rue de la Boucherie. Je crois que ça va évoquer pas mal de souvenirs pour vous, non? Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. C'est par où, alors? On va descendre par là. Par là? Allons-y. On va passer un de chaque côté. Hop là. Il pleut sur Limoges. Il pleut souvent sur Limoges, non? Depuis quelques jours, oui, surtout. Depuis quelques millénaires, quand même. Oui, mais c'est pour ça que c'est vert. Les fameux pâturages limousins, on les a pas par hasard. Mais non. Oh, dis donc, c'est bon ces maisons à colombages, là. Ah oui. Elle est par là, la rue de la Boucherie? En face de nous. C'est la chanson du trépied, le roi des têtes et des pieds. Laquelle vous n'étiez pas né, et de père en fils épané. Il faut la parcourir le nez en l'air, cette queue. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Vous avez encore les crochets de boucher, là, qui sont d'origine. Donc, ouais. Petit soin à votre écoute, c'est pas pour ce que ça coûte. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de cette rue de la Boucherie. Ben là, il n'y avait que des bouchers et des tripiers. Ah oui, principalement. C'était oui, uniquement c'était dédié ça. À cette corporation. Ah oui, oui, cela portait bien son nom, rue de la Boucherie. Et depuis longtemps? Je vous dis, depuis le Moyen-Âge. Ah oui. Ça remonte quand même. Donc depuis pratiquement l'origine des maisons, quoi. Elles ont ah été oui, construites carrément. Par les bouchers. Voilà. Les bouchers, ils tuaient leurs bêtes ici. Donc là, vous avez des où on mettait une barre. Ouais. Et on accrochait les poumons de veau, ah. les têtes de veau, les langues de veau, tout à l'extérieur. Ouais. C'était l'étalage. L'étalage, voilà. Alors là, on fabriquait les joues de comédiens. Joues de comédiens? C'était fait avec de la joue de la... Des acteurs. D'agneau. La joue d'agneau. Oui. Vous devez être un peu nostalgique de tout ça. Ben, j'ai vécu dedans tout le temps, quoi. Donc, elle est jolie, cette petite église. C'est là. La chapelle des bouchers. Incroyable. Voilà, elle est entretenue par les bouchers. Et alors, ce toit, c'est il est Saint-Aurélien. Saint-Aurélien? Pourquoi Aurélien? C'est le Saint-Patron des bouchers? Ah oui, oui, c'était leur patron. Ah, c'est ça. Et à l'intérieur, c'est magnifique. C'est vrai? Ah oui, c'est... On peut aller voir? Oh oui, c'est ouvert. On va aller oui, jeter oui. Un œil. C'est ouvert. Ah oui, dis donc, là, on n'est pas dans la haute époque, hein, on est... C'est richement orné, c'est baroque. Si c'est entretenu uniquement par les bouchers, ça. C'est magnifique. Incroyable. Et alors là, vous avez Sainte-Anne avec son panier de châtaignes oui. Qui tient dans ses bras Jésus et lui donne à manger un rognon. C'était la friandise des enfants à l'époque. Ah bon? Ah, on pousse l'hommage très loin aux bouchers. Hein. Voilà. Bon, alors nous aussi, on va rendre hommage à Aurélien si on cuisine notre tête de veau. Ben voilà, avec de la châtaigne. Avec de la châtaigne? Oui. C'est vrai? Vous oui. En mettez dedans? Oui, oui. Ah. C'est fait uniquement, j'ai fait ce produit à base de produits locaux. Bon, allez, on cuisine. Nous quittons notre saint patron, direction Ned, bourgade au sud-est de Limoges, pour flirter de plus près avec la tradition tripière de la région. C'est en cuisine que j'ai le plaisir de faire connaissance avec notre tête de veau du Limousin, élevée sous la mer, bien sûr. Alors, moi, si j'ai envie de faire une tête de veau à la maison sans être bouchère ni tripière, je l'achète comme ça? Ah non. Vous non, me faites non, peur, là. J'avoue que... Ça, c'est à l'état brut où l'artisan doit désosser la tête, la mettre en capeline. Et ça, on va le faire ensemble. Voilà. Ah. Alors, allons-y. Bon, alors, on prend la tête dans ce sens-là. On la tourne à l'envers, là. Alors, ah, la tête alors est-ce qu'elle a des caries? La tête de veau, on désosse tout ça. Ouais. Et le reste, vous voyez, là, ça... Donc là, vous avez tout ça. Quand vous dites désosser, c'est-à-dire qu'avec le couteau, voilà. vous enlevez, comme on dit avec le canard, le manteau, quoi. C'est ça, vous voilà. Découvrez les os. Alors, c'est attendez, il y a quoi, là? Donc, là, il y a la joue, voilà. Ouais. Et il y a tout le museau, là. D'accord. Avec la langue qui se trouve ici, en temps normal. Ah oui, dites donc, c'est un sacré morceau, quand même. Voilà. Hein. Ça, c'est un veau qui a quel âge? 5 mois.
5 mois. Oui. Et en général, ce qu'on appelle le broutard, ça commence à quoi? 4 mois? Non, 6, 7 mois. Donc là, c'est un veau de lait. Jusqu'à 10 mois, jusqu'à 1 an même, ce sont des broutards. D'accord. Et là, le veau de lait, il va jusqu'à 6 mois, 6 mois et demi. D'accord. C'est un maximum. Mais alors, on va cuire celle-là? Ben non, je n'ai déjà cuit une parce qu'il faut trop longtemps pour la préparation. Ah, c'était juste pour me montrer. Pour montrer la morphologie de la tête. C'est sympa. Je dois quand même vous faire une confidence. Je n'ai jamais cuisiné la tête de veau. Et non seulement je ne l'ai jamais cuisinée, mais je ne l'ai jamais goûtée. Ah. Parce que ça m'a toujours impressionnée. Je me disais, c'est une recette toujours la même impression, imposante. Mais... Non. Non, là, je suis curieuse. Ah, bon, c'est bien, c'est déjà bien. Je suis curieuse. Vous êtes curieuse, puis, c'est bien. Ça puis on est un peu en Chiraki, donc forcément, il faut rendre hommage. Vous faites 5 km, vous êtes en Corrèze, là. Eh oui, c'est ça. Nous lançons alors la préparation aromatique de l'échalote et du blanc de poireau finement émincé que nous faisons revenir dans de la graisse d'oie. Et vous mettez pas beaucoup de graisse finalement, hein? Il en faut très peu de graisse. Ah oui, c'est vrai, c'est pas un plat gras. Ah, pas du tout, il n'y a pas de graisse dedans. La tête de veau est très maigre. C'est pas gras la graisse d'oie, on l'a dit, c'est pas gras. Voilà. Comme ça. Faut que ça sue. Oui, parce que sinon ça va brûler sans cuire. Voilà. Alors là, encore de la graisse d'oie dans la poêle. Encore un petit peu de graisse d'oie. Et ça, c'est pour faire les chanterelles. D'accord. Nous récupérons la tête de veau, déjà cuite durant 2 heures à petit feu, dans 5 litres d'eau et 3 autres de cidre, touche personnelle de Jean-Marie. Un bouillon agrémenté de carottes, de navets, d'oignons, de laurier, de thym, de clous de girofle, et dans lequel ont été délayées quelques cuillères de farine de châtaigne, astuce permettant à la viande de rester blanche. Ça sent bon, hein? Jusque-là, tout va bien. Et voilà la bête. Voilà. Ça va, c'est pas trop chaud. Et là, on fait quoi? Ah, on enlève cette espèce de peau autour de la langue, c'est ça? C'est une peau. Moi, j'avais entendu dire que pour l'anniversaire de la décapitation de Louis XVI, on mangeait de la tête de veau. C'était vrai, ça? C'était la tradition. Ah oui, c'est ça. C'est les Jacobins qui, du coup, se sont appropriés le plat. Alors là, maintenant, on va couper en petits dés. Couper en petits dés. D'accord. Ah, c'est tendre, hein? C'est très gélatineux, forcément. Oui, mais il n'y a pas de graisse. Il n'y a pas de graisse, c'est vrai, la gélatine n'a rien à voir avec la graisse. Et les poils du nez, on les met aussi? C'est du duvet, disons. Bon, allez, on va dire que chacun fait à sa façon, moi je vais les enlever. Hein. Oui. Est-ce que c'est cher une tête de veau? Comme j'en ai jamais acheté, j'ai pas de notion. Autour de 14-15 euros, quoi. Et là, on nourrit combien de personnes? À peu près 12-15 personnes. Ah oui, ça va, c'est raisonnable. C'est intéressant. Bon. Hein. On va sortir les légumes maintenant. Tout comme la viande, ils sont découpés en petits dés, comme une brunoise. Puis Jean-Marie ajoute aux échalotes qui suent 2 bonnes cuillères à café de moutarde violette du pays. Moutarde au moût de raisin, comme chacun sait. Sont maintenant ajoutés les champignons, ainsi que, summum du raffinement, le bouillon de cuisson des marrons, eux-mêmes cuits dans du bouillon de cuisson de tête de veau. J'espère que vous suivez toujours. Je peux goûter? Bien sûr. Ah oui, dis donc ça. Mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a un petit parfum. Il y a de l'alcool, il y a du Porto. Il y a du Calva. Exactement. Il y a du... Voilà, fabrication maison. Ah, Calva. Autour de la viande, des châtaignes et des légumes d'être intégrés à la riche base aromatique que nous laissons mijoter 10 bonnes minutes encore. Si la tête de veau maison vous tente, voici les ingrédients de la recette de Jean-Marie. Une tête de veau désossée de 3 kg environ, langue comprise. Pour le bouillon, 3-4 oignons selon leur taille, un poireau, 700 g de carottes, 700 g de navets, du thym, du laurier, 5 clous de girofle et quelques cuillerées de farine de châtaigne. Mais aussi 3 poignées de chanterelles ou girolles et 700 g de cèpe, 5 échalotes, 3 gros blancs de poireaux, 600 g de châtaigne blanchie, 3 litres de cidre, 5 cl de calvados, une cuillerée à soupe de moutarde en grains ou violette, 3 cuillères à soupe de graisse d'oie. Allez-y, c'est parti pour cette grande première. Je vais vous servir. Avec plaisir. Mais cette tradition-là, vous en êtes l'héritier ou vous l'avez imaginée, cette recette? C'est ma création, ça. Ah, ça, c'est votre création. Voilà. Oh là là, magnifique. Il y a un peu de tout, là. Les cèpes, les légumes, les carottes, les châtaignes. Ouais, et finalement, vous voyez, je m'en faisais toute une histoire. Parce que c'est la tête qui est impressionnante. Mais j'avoue que là, ça me fait vraiment envie.
Bravo, Jean-Marie. La tête, quand on la voit, c'est vrai que c'est presque un peu rébarbatif. On n'a pas envie. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que il y a des morceaux de consistance très différentes. Parce que vous avez la viande, la joue, vous en parliez. Voilà. Après, il y a la langue qui est plus dense, plus ferme. Après, il y a la partie cartilagineuse, gélatineuse, qui est beaucoup plus moelleuse. Donc, c'est ça qui donne, je trouve, le caractère et vraiment la qualité du plat. Oh, c'est délicieux. Hein. Et Jean-Marie, puisque je suppose qu'il va en rester un petit peu, même si vous allez l'apprécier en famille. Je pense qu'il en restera pas mal, même. Est-ce que vous seriez d'accord pour me retrouver avec d'autres amis de la région et d'autres spécialités? Peut-être que certaines, vous les découvrirez pour l'occasion. Certainement, oui. Et ça nous ferait vraiment plaisir que vous soyez là. Oh, ben, il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir. Allez, à la santé des Limousins, des Limougeaux. Et de la tête de veau. Et des têtes de veau, par Hugo. Ça t'ennuierait. Je vous l'avais promis, et puis moi aussi je l'attends avec impatience. Nous allons aller visiter l'une des dernières manufactures de porcelaine basée à Limoges. C'est une maison plus que centenaire, encore totalement familiale, gérée par les deux frères, Michel et Frédéric. Et vous verrez qu'ils sont non seulement dépositaires d'un savoir-faire séculaire, mais surtout qu'ils continuent de maîtriser l'ensemble des étapes de fabrication de chaque pièce, et elles sont nombreuses, dans leur manufacture, et tout ça, par définition, grâce à la main de l'homme. La naissance de la porcelaine, ici il y a maintenant plus de 2 siècles, s'explique par la découverte du kaolin à Saint-Thierry-la-Perche, matériau indispensable à la production de cette céramique dure et translucide. Louis XV acheta d'ailleurs ce gisement, faisant de la production de porcelaine un privilège royal. Aujourd'hui, fini les privilèges, mais toujours les mêmes gestes au service de cet artisanat. Tout débute avec la création du modèle, objet unique de référence qui donnera naissance au moule de production, permettant la réalisation de pièces de porcelaine en série. Une fois coulées dans le plâtre, elles sont séchées, puis assemblées si nécessaire, avant une première cuisson. S'ensuit l'émaillage, chaque pièce étant trempée à la main dans un bain d'émail. Intervient alors la deuxième cuisson, puis l'ultime phase de décoration. Dans la majorité des cas, il s'agit de chromo, ou décor à la feuille, technique que Cécile Tarot, coloriste, nous dévoile. À partir d'un dessin, on va faire une décomposition des différentes couleurs, c'est-à-dire qu'on a une décomposition de plusieurs superpositions de couleurs qui vont nous permettre d'obtenir ce résultat, qui vont être imprimées ensuite sur feuille et ensuite qui vont être décalquées sur porcelaine. Pour ma part, je rejoins Didier Mignon, peintre décorateur dans la maison depuis 34 ans, qui lui maîtrise le décor peint à la main, ainsi que la réalisation des filets et garnitures qui habillent si élégamment les assiettes de la maison. Bonjour. Donc en dehors du décor à la feuille, tout se fait à la main? Oui, en grande partie au maximum. Tout ce qu'on peut faire à la main, on n'hésite pas à le faire. Alors, pour l'anse, j'ai compris, mais pour les filets qui sont autour des assiettes, on ne pourrait pas faire ça avec des machines? Pourquoi vous tenez à le faire à la main? Pourquoi? Parce que déjà, c'est un prestige d'avoir des assiettes faites à la main. Bien sûr. Déjà, hein, ça, on tient à le garder. Et puis, je suppose que le trait ne serait peut-être pas aussi précis, aussi fin avec une machine. Voilà, tout à fait. Parce que là, nous, on marche beaucoup au visuel. Donc là, vous avez l'équivalent d'un... Là, je vous fais un exemple. Hein. Exactement. Là, bon, faut que je sente l'assiette. Bon, ça, c'est un geste qui est tout banal. Hein. Mais un apprenti va à peu près un an à savoir sentir une assiette. J'ai l'impression d'entendre un chef japonais parler de l'usage du couteau. Vous savez, ça paraît anodin et en fait, ça demande des années de pratique. Je vais vous faire essayer, vous allez voir. Donc, l'assiette est bien centrée. Ouais. Mais il suffit de poser. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est aussi artisanal que ça. Oui. Faut juste que vous ayez votre avant-bras posé, quand même. Je peux pas imaginer que vous fassiez ça à la main. Vous voulez essayer? Comment dire? Je sais pas si j'ai intérêt pour le prestige de la maison. Ce sera la mienne, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors voilà une assiette. D'accord. Donc vous la posez sur le tour. Je la pose sur le tour. Vous la faites tourner par-dessous. D'accord. Donc tout est manuel, il n'y a même pas de pédale, rien du tout. Rien. Alors allons-y, c'est parti. Centrons, centrons. Oh! Mais c'est vrai que c'est difficile de centrer, hein. Non, je ne suis pas.
Allez, je vais vous la centrer. Ouais, je crois qu'il vaut mieux. Ah, ça s'improvise pas, hein. Voilà. Allez, on y va. Faut pas avoir des problèmes de vue, ni être parkinsonien. Il faut être très précis. Faut être très précis. Mais je sais pas comment vous faites pour faire ça toute la journée, parce que moi, déjà, là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que j'y vois plus rien. Il y a un bon début quand même, hein, parce que... Ah. J'ai eu des apprentis, ils faisaient pas le tour. C'est pas mal. Montrez-moi. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Bon, attendez, ça fait 30-40 ans que vous faites ça, et l'autre qui me dit ça, j'en ai arrivé depuis 4 minutes. Ben, je suis d'accord, c'est non, pas non. compliqué, mais ça demande énormément de dextérité. Pour faire un bon fileur, il faut à peu près plus de 10 ans. Ah oui? Oui. 10 ans? Oh oui, facilement. Mais vous savez, c'est presque dommage, moi qui connaissais vos assiettes, bien sûr, avant de venir. Ah bah tiens, je suis en train de parler de la maison. Bonjour Frédéric. Bonjour, Julie. Ah, vous venez inspecter le travail des élèves? Je vais voir si on a une nouvelle recrue. Des apprentis. Didier, qu'est-ce que ça donne? Oh bah, on a un nouveau style. D'ici 30. Un nouveau style? Oui. Ah, ça, c'est moche. Non, petite correction, mais bon. Et donc, quand on pense à la porcelaine de Limoges, on se dit, voilà, c'est quelque chose d'évidemment prestigieux dans le monde entier, mais on se dit, bon, bah, c'est le reflet d'une tradition séculaire, mais peut-être un peu ancienne, alors qu'elle se renouvelle tous les jours. Elle se renouvelle tous les jours et l'innovation technologique nourrit la création d'aujourd'hui. Et vous pourriez me montrer quelques pièces comme ça, un petit peu emblématiques de cette création qui sont en développement? Oui, bien sûr, je vous emmène. Allez, c'est parti. Merci Didier, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Alors, allons-y. Merci. Voilà Julie, depuis un certain nombre d'années, depuis 4-5 ans, on fait de plus en plus appel à des artistes pour qu'ils... réinvente un peu notre métier ou nous aide à le réinventer. Et sur les assiettes, vous travaillez également avec des artistes? Beaucoup, oui, beaucoup. L'an dernier, on a fait tout un projet avec Jeff Koons, qui était assez extraordinaire. On a travaillé avec Sophie Kahl, avec David Lynch. Limoges, au cœur de la création artistique. Alors Frédéric, vous m'avez vraiment donné envie d'en voir plus. Et vous m'avez aussi donné envie de vous écouter davantage sur l'histoire de cette porcelaine magnifique. Et j'aurais bien aimé vous inviter, parce que je vais organiser un grand repas, un banquet, comme on dit, au Château Ligour, au Vigin. Et évidemment, je ne vois pas le repas sans vos assiettes. Volontiers, je vous remercie. J'accepte votre invitation et puis je vais aller préparer mes assiettes. Ah, c'est gentil, merci. On va continuer à déambuler un peu dans l'atelier, parce que je trouve ce lieu magnifique. Oui, alors non, c'est vrai que c'est un lieu très... où il y a une âme. Saint-Léonard de Nobla, à peu près à 30 km à l'est de Limoges, pour rencontrer Frédéric, qui va nous conter son amour pour le massepain. Et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à trouver le massepain parmi les spécialités limougeaudes, mais comme quoi, le terroir français nous réserve bien des surprises. Deux fois valent mieux qu'une. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Julie. Merci de m'accueillir. Bienvenue au gîte chez Maître Jacques, au Moulin Giraud. Ah, notre maison familiale. Vous êtes également gîté, c'est une maison de famille. C'est une maison de famille. C'est une belle maison, ancienne. Très très ancienne maison. Et je me pose une question, la rivière qui passe en dessous, c'est un moulin donc cette maison? C'était un moulin au départ. Et c'est la Vienne? Et c'est la Vienne. Ah, quelle belle rivière. Vous avez tourné le moulin. Et c'était oui. un moulin à papier. Ah oui, je sais qu'il y a une industrie de papier, enfin un artisanat de papier voilà. on pourrait dire. Bon allez, on va se mettre au chaud. Alors Frédéric, le massepain, pour moi, c'est
méditerranéen, oriental, espagnol, italien, mais c'est pas spécialement français. Voilà. Alors l'explication du massepain à Saint-Léonard, qui est la cité du massepain, c'est reconnu comme tel en France. Comme tel, l'histoire veut que des pèlerins venant de Saint-Jacques-de-Compostelle au retour et repassant à Saint-Léonard avaient comme nourriture de pèlerinage des massepains. Et c'est resté à Saint-Léonard. Pourquoi ? Parce qu'un pâtissier s'est endigé de cette recette, j'imagine, c'est ça ? Il y a plus d'un siècle, un pâtissier qui habillait ses filles en tenue de limousine et elles allaient vendre les massepains à l'unité. Mais comme c'est un produit qui est relativement cher à cause du prix de l'amande, ça explique que ça se vende surtout à l'unité. D'accord. Alors, montrez-moi comment on les fabrique. Il y a du blanc d'œuf, oui, de l'amande pilée et du sucre blanc ou roux. C'est la base du massepain, où qu'il soit. Moi, j'ai une petite question. Je vois que vous avez mis des amandes blanchies, donc sans leur peau, et des amandes brutes. Est-ce qu'il faut mélanger les deux ? Alors, pour avoir une petite amertume, qui est agréable dans le massepain, plutôt que de tricher en mettant de l'essence d'amande amère, on met quelques amandes qui n'ont pas été épluchées. Elles sont broyées finement et à la dernière minute, permettant ainsi de garder toute leur saveur et leur humidité. Chef, à vous de jouer. Maintenant, on va prendre 2 cuillères. Vous faites des petites quenelles alors, presque. On fait des petites quenelles. Ah oui, tout petit, tout petit. Voilà. Je vais vous aider. Alors, initialement, les massepains étaient cuits sur des papiers paille, qui est le fameux papier débouché. Qui est celui-ci. Voilà, et qui avait la particularité d'éponger un peu le gras de l'amande. Et lorsque les pâtissiers avaient fini donc leur cuisson, ils vendaient aux petits-enfants qui avaient été sages les papiers, puisqu'en les suçant, on retrouvait encore un petit peu de gâterie. L'ancêtre des sucettes. Donc la toute dernière étape, on met du sucre glace sur les quenelles, de façon à ce qu'en cuisant, on ait un brillant et un craquelé. Ah, un côté un peu glacé, quoi. Voilà. Quelque chose me dit que ça ne va pas être mauvais. Voilà. Alors, le four est à 180 degrés. Statique ou avec une ventilation ? Non, un four traditionnel. Traditionnel de pâtissier. On va partir donc sur un temps de cuisson de 16 minutes. Vous êtes un garçon précis ou je me trompe ? 16 minutes, c'est par gourmandise qu'on est précis, parce que si c'est trop cuit, mais les gourmands n'y ont pas leur compte. En gourmand hors pair, je prends en note les ingrédients de la recette des massepains de Frédéric. C'est pas très compliqué. 2 blancs d'œufs, 150 g de sucre roux, 150 g d'amandes et du sucre glace à ajouter avant la cuisson. Bon ben voilà, hein, c'est pas compliqué. Il n'y a plus qu'à déguster. Après avoir tiédi 5 minutes, Frédéric décolle les massepains en humidifiant au pinceau l'envers du papier. Et je succombe enfin à la tentation. Ça sent bon. Oh là là, l'amande dorée au sucre, là. Oh, Frédéric, c'est délicieux. N'est-ce pas ? Mais ça ressemble un peu à un macaron, finalement, non ? Ah, ne jamais dire macaron en Limousin. Ah bon ? Ce n'est pas la même chose. Oui. Donc là, on a un macaron ici qui est donc un peu foncé, comme on a vu. Il l'a dit ! Il a dit macaron ! À force de me faire dire. Je me retiens pour pas me fâcher. C'est très, très bon. Ils sont plus... C'est peut-être la cuisson. Croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Voilà. Il y a ce contraste qui les différencie de ceux que je connais, notamment les macarons de Saint-Émilion, et qui les rendent délicieux. Alors, puisqu'il vous reste de l'appareil et que vous avez un four à disposition, si vous pouviez en cuire davantage pour pouvoir régaler les gourmands que l'on va réunir au château de Ligourd, je crois que ça ferait plaisir à tout le monde. Ce sera chose faite. Julie, merci encore merci d'avoir voulu nous faire connaître notre produit. En tout cas, j'ai pris des réserves pour la route. Oh, c'est pas... À demain, merci Frédéric. Voilà.
L'évocation des moulins à papier hier soir avec Frédéric m'a donné envie d'aller voir cela de plus près, de bon matin. Le moulin de Gaux a démarré son activité dès le 15e siècle et a perduré jusqu'aux années 50 avant de s'éteindre. C'était sans compter sur l'énergie de François Breton, dernier dirigeant de l'entreprise qui a décidé il y a plus de 10 ans de réactiver toutes les machines et de relancer l'activité de papier à l'ancienne. Son objectif étant de créer un conservatoire des savoir-faire de la papeterie, de l'imprimerie et des arts graphiques, tel un musée vivant. À partir de 1850, on s'est mis à faire du papier paille, c'est-à-dire avec de la paille de seigle qu'ils cultivaient sur place et par conséquent dont ils étaient sûrs d'avoir l'approvisionnement. Et ce papier paille a servi à faire de l'emballage. Et après la guerre, on a rouvert le moulin pour faire du papier avec des vieux papiers, par exemple, et faire ce qu'on appelle le carton à la rouleuse, qui a servi à faire des têtes de poupées et des petits chevaux en carton. De son côté, Camille Montibus, imprimeur, a œuvré à reconstituer un atelier typographique permettant de traverser l'histoire de Gutenberg jusqu'aux années 60. Nous avons gardé une technique qui n'a plus beaucoup cours dans les autres imprimeries, qui est le gaufrage, c'est-à-dire la mise en relief de sujets, de dessins. Et il y a pas mal de personnes qui veulent ce genre de travail pour illustrer soit des menus, soit des faire-part, et également des couvertures de petits livres à compte d'auteur. Un véritable voyage dans le temps et des techniques que nos passionnés ont tenu à utiliser pour réaliser un menu vantant les gourmandises que nous dégusterons au banquet. Rencontrer deux éleveurs, de jeunes éleveurs, qui se sont lancés dans l'aventure du cul noir, du porc cul noir. Ils s'appellent Julien et Cécile, et non seulement ils vont nous expliquer les caractéristiques, les particularités de cette race, et Cécile va nous le cuisiner. Une recette très simple, elle m'a expliqué que c'était pour elle la meilleure façon d'apprécier cette viande de qualité. Un rôti, je crois, avec des petits légumes de saison, et on va partager ça tous ensemble. Avec ses arguments de te faire un papa. Cécile, ma fille. C'est un autre genre de chanson. Voilà, il y a deux cultures. Il y a Claude Nougaro et Micheline Nougaro. Moi, j'aime bien. Elle voulait un enfant, moi, je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille. Cécile. Bonjour Julien. Bonjour Cécile. Bonjour. 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 Bonjour, alors voilà votre maison. Et voilà, c'est une maison qui appartient au domaine de Ligour. Du coup, le domaine du château, on va se retrouver tout à l'heure. Voilà. C'est ça, pour D'accord. le banquier du coup. Et ça faisait partie des communs. Et voilà, c'était en fait c'est un grand domaine où il y a 300 hectares et en tout on est 8 fermiers sur le domaine. Donc c'est un atelier collectif et on transforme tous les produits, on les amène au marché ou dans notre magasin à Limoges et puis voilà. Voilà. Bon, donc, on se met au chaud. Allez. Alors, ce petit rôti de porc cunois. Déjà, c'est une recette, tu m'avais dit, assez simple. Ah oui, donc on a décidé de faire un rôti de porc cunois dans la pointe. Dans la pointe, c'est-à-dire la pointe de quoi ? La pointe, alors la pointe, c'est la fin du filet. D'accord. Et ça, on se dirige presque vers le jambon. Okay. Donc, c'est un morceau qui va être assez fondant, sans être trop sec. Et c'est ce gras qui fait que ça donne à la viande un goût, en fait, un peu de noisette. On va commencer on va le faire rissoler, peut-être, non ? Rissoler, donc dans du saindoux, et bien sûr, du saindoux de cunois. 100% local. C'est une bonne vieille cocotte en fonte. Voilà. Qui en a vu des rôtis, j'ai l'impression. Quelques rôtis, oui.
Donc on est assez généreux avec le saindoux. Hop. À moins de 2 kg de saindoux par rôti, on n'est pas dans le tempo. Et même cuisiner un poisson avec ça, ça va être très bon. Tu sais, quand on met du lard autour d'une Saint-Jacques, je suis sûre que ça donne bon. Ça peut être très bon. Peut-être repartir avec un pot. Allez. Donc, on va faire rissoler le rôti. Ouais. Pour que ça libère, en fait, tous les sucs de la viande. Pendant ce temps, nous éminçons des oignons blancs et rouges, cuisinés comme des légumes et non pas comme simples condiments, avant d'être rejoints par une petite souris. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Et là, comment t'appelles-tu ? Louise. Louise, bonjour Louise. Et tu es arrivée par l'odeur alléchée ? Oui, c'est ça. Ça sent bon, Louise. Tu viens nous aider ? Allez, viens, Pépette. Oui. Allez, hop. Autour des carottes, que nous coupons en biseau, comme on l'a toujours fait dans la famille. N'oublions pas de retourner la viande et Louise me donne un tablier en bon marmiton. Merci ma puce. Oh, je vais être parfaite là comme ça. Hop là. C'est ce qui manquait à ma panoplie. Hop. Voilà. Oula. Oh, elle est magnifique cette viande. Les oignons sont mis à roussir, les pommes de terre épluchées, puis les carottes ajoutées dans la cocotte. Tiens, c'est toi qui les meubles, c'est toi qui les as coupées. Oh, pas toutes. Pas toutes, mais bon, en grande partie. Oh là, c'est parti. Voilà, bravo. Alors, on va remettre le rôti. On remet notre rôti. Voilà. Dans la cocotte. Dans la cocotte. Oui. Pardon. Du vin blanc. Alors, voilà. Pour bien déglacer. Et pas trop sur la viande, plutôt sur les légumes. Non, plutôt sur les légumes, je les mets. On couvre. Ici, en Limousin, ils disent confiner. On va laisser confiner. Nous découpons en gros tronçons des poireaux, coupons en deux les pommes de terre qui vont aller confiner à leur tour, le tout à feu doux pendant encore une heure. L'ordre compte, en fait. Oui, ça compte parce que le temps de cuisson n'est pas le même pour tous les légumes. Donc, carottes, pommes de terre et les poireaux. Certains sont immergés et d'autres cuits à la vapeur. Voilà. Et moi, je vais en profiter pour aller visiter les tables avec Julien. Allez. C'est bon ? Allez, on va laisser mijoter tout ça. Mais avant cela, je prends rapidement en note la recette du rôti de porc cul noir aux légumes de saison de Cécile et de Louise. Pour laquelle nous avons besoin d'un rôti de cochon cul noir de 2 kg, si possible pris dans la pointe du filet, d'un kilo et demi de carottes, d'un kilo de pommes de terre à chair ferme, de 3 oignons, 2 poireaux, 3 cuillerées à soupe de saindoux, 50 g de beurre, 500 g de châtaignons bocal revenus dans du beurre et ajoutés à la toute fin avec du thym et du laurier. Allez, filons découvrir l'exploitation aux côtés de Julien, accompagné par Basile, le fiston. Hop là, j'ai bien fait de jouer les bottes. Ah oui, il n'y avait pas le choix. Là. Alors les voilà, ces fameux cochons. Alors les culs noirs, ce sont des porcs qui ne sont élevés qu'en Limousin et que dans la Haute-Vienne. Alors oui, le cul noir, il est originaire de la région de Saint-Thierry-la-Perche, donc au sud du département. Hein. C'est là où on prélève le kaolin aussi pour la céramique. C'est ça, exactement, exactement. Et du coup, on est peu nombreux comme éleveurs, on est une vingtaine. Voilà, c'est une race dans les années 80 qui était quasi disparue. Et ça, c'est un discours que j'ai déjà entendu. Heureusement qu'il y a quelques éleveurs comme vous. On l'a entendu au Pays Basque, notamment avec le porquintoa ou le cochon noir de Bigorre. Mais c'est ça, ils sont. Heureusement qu'il y a des cousins, passionnés qui s'y mettent. Bah oui. Ils font partie des 7 races rustiques françaises. Nous, on nourrit avec du blé et des pois fourragés qu'on produit entièrement sur l'exploitation. Et après, à la saison, les glands, des chênes, quelques châtaignes, de l'herbe aussi, parce que mine de rien, ils mangent pas mal d'herbe. Même si c'est pour de l'élevage pour la viande, ils passent quand même une belle république le temps qu'ils sont là, je dirais. Quoi. Et alors, on peut aller les voir, ces cochons ? Oui, 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 c'est des cochons qui sont plutôt placides. C'est vrai. Mais alors, la caractéristique de la race... Ah, pas de souci, c'est bon, ils ont eu peur. Mais caractéristique, déjà, c'est donc d'où son nom, le cul noir. Fesses et tête noire. C'est aussi donc une croissance lente. Il a besoin d'un an déjà, rien que pour grandir, sans parler après de l'engraissement. Et du coup, c'est un cochon qu'on ne peut pas élever en bâtiment. Parce que... On ne peut pas en faire un élevage intensif. Non, il a besoin de marcher pour se muscler, pour se développer. En tout cas, ils ont leur caractère. Hein. Ah, ben pour la gamelle, là, il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de passe-droit. Je
Je laisse ma famille à ses activités et surtout terminer ce mets de choix et file pour une dernière visite vers un artisanat bien d'ici, avant de retrouver tout le monde pour le banquet. Nous voilà partis pour Saint-Junien, environ à 25 km à l'ouest de Limoges, qui est la capitale de la ganterie limousine. Et cet artisanat, qui est d'ailleurs millénaire, a débuté ici parce qu'il y avait de l'eau, une eau de très grande qualité, grâce au passage de la Vienne, indispensable pour la tannerie, et des élevages, notamment des chevreaux, des agneaux, en l'occurrence pour les gants. Ce qui a fait que le gant a trouvé son lit, son berceau, ici à Saint-Junien. Les mains des petites femmes sont admirables et toutes semblables à des oiseaux. Je le proclame, les mains de femmes sont des bijoux dont je suis fou. Dès le Moyen-Âge, la ganterie faisait son apparition en Haute-Vienne. Puis au XIXe siècle, les premières machines à coudre bouleversent les procédés de fabrication. Et c'est vraiment autour des années 30 que la mégisserie, l'art du tannage, et la ganterie connaissent leur apogée avec environ 40 fabriques et plus d'un millier d'ouvriers à Saint-Junien. Aujourd'hui, encore 3 fabriques persistent dans le village, dont celle-ci, implantée depuis 1937. Olivier Granet, très attaché à la maison, est l'un des 2 coupeurs de l'atelier et s'attelle à préparer des piécettes de peau qui vont devenir des gants. La peau est humidifiée pour l'assouplir et étirer avant la découpe. On travaille toujours de la même façon depuis le début de la ganterie. Le cuir est étiré de la même façon. C'est l'œil humain en fait qui est essentiel. Une machine pourrait le faire, mais il faudrait la reprogrammer à chaque fois puisque toutes les peaux sont différentes. Donc c'est le travail manuel qui prime. Chaque coupeur réalise une 20aine de paires par jour, en s'aidant d'un ingénieux système d'emporte-pièces mis sur pied vers 1850 et qui n'a pas changé depuis. Maintenant, la première machine qui intervient, c'est ce qu'on appelle la main de fer. Et c'est une machine où le cuir est posé sur des modèles en fer tranchant et ça va découper le bout des doigts. Voilà, le gant apparaît. C'est ensuite du côté de l'atelier de montage que les couturières assemblent les gants qui prennent vie grâce à leur dextérité, comme Evelyne, formée sur le tas par d'autres couturières et dans la maison depuis 12 ans. La particularité de cette maison, c'est qu'on travaille pour des grands couturiers surtout, donc à chaque fois c'est différent. C'est un défi. Une confiance accordée est régulièrement renouvelée à l'atelier qui peut se féliciter de maintenir un artisanat d'exception. Pour ma part, il est vraiment temps de reprendre la route en direction du château de Ligours, où tout le monde, ou presque, doit être arrivé. Voilà, au château de Ligours, qui est une belle bâtisse 19e, comme on le voit à son style, installée au milieu d'un domaine agricole de 400 hectares. Et son histoire est amusante parce que dans les années 70, la propriétaire a décidé de le confier à une communauté qui l'a rénové, restauré, exploité, habité bien sûr. Et ils sont toujours là. Voilà, 40 ans après, c'est eux qui vont nous accueillir. Enfin, en tout cas, c'est Freddy qui a emmené le groupe et qui aujourd'hui va nous raconter comment il a transformé ce château. J'étais en admiration dans la maison. Bonjour. Quelle maison. Ah ouais, quelle maison, comme vous dites. Impressionnant. Et alors, finalement, c'est votre maison sans être votre maison, c'est ça? Vous l'habitez depuis de longues années? Je l'habite et je la partage depuis longtemps, oui. Puis il y a des bâtiments annexes, j'imagine. Oui, alors ça aussi fait partie des parties qu'on occupe en gîte de groupe, quoi. Parce que le principe, c'est d'accueillir des groupes qui viennent faire une activité. Ah, vous êtes ouvert au groupe, d'accord. On est ouvert essentiellement au groupe. Et des gens qui viennent faire une activité, alors sur des temps de loisirs, de la musique, de la danse, du théâtre, du tai chi, etc. Et vous montrez la cuisine, parce qu'il paraît qu'elle est sacrément jolie. Alors, on passe par où? Par là? Ouais, on va passer par là. Là, par l'entrée principale. Voilà.
Tout le monde est arrivé. Ah, tout le monde est là déjà? Oh là là, quel tablé! Bonjour à tous. Bonjour. Magnifique cette table. Oh, mais d'où viennent les assiettes? C'est super, bonjour. Je vous fais des petits bisous de loin. Oh ben, je vois qu'on commence à se régaler. Est-ce que ce serait du porc cunoir par hasard? C'est ça. C'est ça. Et alors du porc cunoir sur des assiettes des cochonnes, ah, oui. C'est ça? Ah, c'est extraordinaire ça. Il n'y a pas que des cochons. Enfin, il y a quand même un thème. Hein. Oh, dites-moi, ce papier-là, c'est pas n'importe quel papier, non? Je me trompe ou... Papier fait à la main, au moulin. Ah, magnifique. Allez, oh, voilà. C'est la première fois qu'on a une aussi belle table avec autant de détails raffinés. Oh là là, en plus, vous nous avez imprimé les carnets de Julie. Alors ça, je vais le garder. Alors ça... Et j'ai appris qu'il y avait un marché qui se tenait ici au château aussi. À côté, oui, un petit marché. Ah oui? Oui. Bah, et ils qui vient, tous les gens de la région ou uniquement les gens du domaine? L'ambition, c'est les gens du domaine et puis les voisins. Et j'y pensais quand je vous ai rencontré, mais là, on est vraiment dans les circuits courts. Hein. Ah, à oui. Tout niveau. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Bravo. Ouais. Alors, moi, je voulais quand même avoir quelques détails sur ces assiettes sur lesquelles on mange, qui sont extraordinaires. J'ai regardé comme ça rapidement les vôtres, parce qu'elles sont toutes différentes. C'est quoi l'origine de cette assiette? Jeff Koons. Qui est un artiste américain qui est devenu le plus cher du monde, on peut dire. Hein. Le plus cher du monde, bon, et qui a fait toute cette série d'œuvres qu'il a souhaité reproduire sur ses assiettes. Ah, ce sont des œuvres existantes en soi, c'est oui. Ça? D'accord. C'est sûr qu'en achetant les assiettes, on peut se payer du Jeff Koons à un prix quand même un peu plus modéré. C'est pas cher, là. Voilà. Là, on déjeune au musée, là, c'est bien. Voilà. Oui. Vos charcuteries sont extraordinaires. Bon, alors on va retirer les assiettes puisque grâce à Frédéric, on a une assiette pour chaque plat, pas de chichi. Bon. Et d'ailleurs, je ne vais pas aller très loin, je vais les mettre là. Et je vais vous donner... Un château où il n'y a plus de personnel, hein, donc il faut faire soi-même ici. Hein. Oui, oui, oui. Ah, ça c'est magnifique aussi dans un autre genre. Alors là, on reste dans l'artistique. Alors moi, je ne sais pas s'il y a écrit une phrase chez vous aussi. Oui, c'est la même. Voilà. Je ne suis pas dans mon assiette, un petit haïku. Quand je te vois, j'ai un appétit d'oiseau, je te mangerai dans la main. C'est joli. C'est joli. C'est magnifique. La tête de veau à la Jean-Marie, alors finalement, parce que c'est une recette qui vous est propre. Allez, je vous sers. Et alors, on parlait d'artisanat. Moi, je me suis laissé dire que Limoges était une ville d'art et d'histoire, ça, on le sait. Elle en a donné la preuve, mais une ville de feu et de création. Je crois qu'on m'avait dit ça comme ça. Alors, le feu, bah, j'ai compris que c'était nécessaire pour la porcelaine, notamment. Et pour les mailles. Et pour les mailles, et pour la verrerie. Mais en dehors de ça, quels sont les autres artisanats qui dépendent du feu chez vous? Mais moi, je faisais cuire mes tripes dans un four blanc. Jean-Marie, il est au taquet. Mais c'est vrai. Vous méritez vraiment le titre de maître tripier, vous. Ah, oui, je suis un des derniers à pratiquer cette cuisson. Ah, ça, c'est sûr. Oui. Et c'est délicieux. Hein. Oui. Ah, oui. Excellent. Mais ce qui est intéressant dans les plats qu'on a cuisinés, c'est qu'il y a quand même une dominante de légumes dans votre cunoir aussi. Le légume est très présent et en fait, c'est comme ça qu'on cuisinait autrefois. Les plats paysans, il y avait beaucoup plus de légumes que de viande finalement. La viande. On avait pas trouvé bah, c'est ça, voilà. C'était on a bien l'habitude de manger la tête de veau de cette façon-là. Non. Ah, ça, c'est sûr. C'est vrai. Et Frédéric, moi, je fais comme si tout était normal, mais vous avez quand même une tenue étonnante. Absolument. C'est une... C'est vous qui avez préparé le déjeuner ou... Non. C'est une tenue traditionnelle, avec une cape. Ici, de la couleur de nos vaches limousines. Ah, je crois que c'était la couleur des amandes. Non, c'est la couleur des vaches. Nous avons également le baudrier qui est fabriqué dans du cuir de vache limousine. Et comme il s'agit d'une confrérie pâtissière... Il y a également le bonnet de pâtissier. On prend les choses au sérieux ici, attention. Hein. On ne plaisante pas avec ce genre de choses. Hein. Et alors, si on passait au cunoir, parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. En moi, je vais vous laisser vos couverts. Je vais m'occuper du reste. Asseyez-vous, Julie, je m'en occupe. Merci, c'est gentil. Est assez carnivore, semble-t-il. Ça a l'air somptueux. Mais c'est un pays d'élevage. C'est un pays d'élevage, absolument. Et alors justement, est-ce que c'est ce qui a favorisé l'installation de cette industrie du gant? C'est le fait que ce soit un pays d'élevage au départ. Les agneaux, ils allaient dans la ganterie, et les vaches, elles allaient dans la chaussure. Voilà. Hein?
Parce que c'est vrai qu'il y a une tradition de la chaussure à Limoges. J'ai vu que dans les années 60, 40% des chaussures vendues en France venaient d'ici. Bah, on a la plus belle marque de chaussures française qui est toujours établie à Limoges. Ah oui, donc cette tradition de la chaussure, elle est encore vivace. Ah oui. Cécile, le problème, c'est qu'après avoir mangé ça, je ne pourrai plus jamais manger d'un autre rôti. Là, t'as pas aidé mon boucher quand même, hein, parce que elle est exceptionnelle cette viande. Mais ce qui est terrible, c'est que le gras, tu manges le gras avec plaisir. D'habitude, tu le laisses sur le côté, et là, tu le manges avec plaisir. Il est temps de se régaler de douceur et fraîcheur extérieure oblige. On va se consoler avec non seulement nos massepains, mais aussi quelques autres spécialités, dont la flognarde aux pommes. Alors la flognarde, si j'ai bien compris, c'est un genre de clafoutis. Le clafoutis étant le dessert national. Exactement, ici. Exactement. D'accord. Mais quelle est la différence? Le même appareil. Ah bon? Mais alors il n'y a pas de différence. Il manque juste les cerises pour faire le clafoutis. Ah, c'est ça. En fait, clafoutis aux cerises, c'est un pléonasme. Le clafoutis est aux cerises ou n'est pas. Voilà. C'est ça. La flognarde est très bonne. Alors ça a été mis à mon insu. Magnifique. Et on termine avec un cidre. Oh là là, quel repas. Il va falloir quitter à regret Limoges, cette terre qui accueille si généreusement les paysans et les artisanats haut de gamme. Et puis cette terre de feu, cette terre d'eau, de forêt, de convivialité, de mémoire. Bref, je vous engage vraiment à venir ici, à aller un petit peu au-delà des clichés, à découvrir ses spécialités, à rencontrer ses hommes, ses femmes aussi. Et à cuisiner chez vous la tête de veau, à la Jean-Marie. N'oubliez pas la porcelaine. Salut! Qu'est-ce qui est trop bon, le massepain? Ah, ah ça, ouais. Je suis d'accord. Allez, je vais prendre cette fois-ci, je vais prendre un moins cuit. Ah oui, hein, c'est ça. Allez, une dernière bouchée, et c'est pour Lolo. J'ai froid. Et c'est pas... Ma mère m'a toujours dit que c'est pas la tête qu'on attrape froid. Alors je me méfie. Voilà. La cervelle est derrière. Regardez comme c'est pas mignon.